Salut tout le monde, c'est Ekaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo invocation. Oui, en effet les frérots, hier il y a eu l'invocation Super C17 Agilité, donc le Neo God Tier Agi, Extrême Agi pardon. Et aujourd'hui, enfin il est sorti hier le portail, mais aujourd'hui je me suis connecté, je me suis dit, allez, tu sais quoi, allez, let's go, c'est bon, les Dragonstone, ça s'en va et ça revient, et voilà. Et je me suis dit, let's go, pourquoi pas tenter ma chance d'avoir Caulifla pour la collection et bien sûr pour l'utiliser, pourquoi pas pour les challenge battle et Calais, pourquoi pas, hein, on verra bien ce que ça va donner. Mais du coup, pourquoi le portail est plus ou moins intéressant, c'est qu'il y a un perso et se sert du détecteur garanti par Mincha Vocation. Ça c'est vraiment moins, enfin, si ça avait été un des deux personnages garantis, tu vois, là ça aurait été pas mal, tu vois, mais bon, faut pas trop non plus demander à Bandai. Mais du coup, comment ça se passe par rapport à ce portail là? Donc là tu t'as du Calais Berserker, donc très bon personnage quand même, mais celle qui est super intéressante c'est Caulifla quand même, Super Saiyan 2, en leader qui plus 2 PV attaque et défense plus 50% pour tous les types. Et de plus, attaque plus 70%, grande chance d'esquiver de l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse, ou chance moyenne d'esquiver de l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaque. Ok, donc en gros, elle peut contre-attaquer, elle peut esquiver, bref, en gros, elle, il me la faut clairement, il me la faut. Et après, bon, le truc, c'est vu qu'il y a un SSR garanti du détecteur, t'as quand même Itto, d'ailleurs, qui a eu un Dokkan qui a été accompagné avec ça. Piccolo-san. Berusama, Whis intelligence, donc de Whis. Sincèrement, si j'ai Whis, alors que j'ai, enfin, j'ai tous les personnages sauf ces deux-là du détecteur, donc ça serait pas mal pour, enfin, j'aimerais bien voir Caulifla. Sincèrement, j'aimerais bien l'avoir. Et du coup, je crois que dans ce portail-là, tu peux avoir Broly LR et je crois également Majin LR. Donc pourquoi pas. Je me suis dit, let's go, deux multi-invocations pour récupérer les pouvoirs de la carte de Simon. C'est parti. Let's go. Je suis pas bien. Et bien sûr, on remercie Youpass pour cette vidéo, les frérots. Merci encore à Youpass qui te permet de convertir ton crédit téléphonique. Et là, y a rien eu. Et justement, en euros pour pouvoir après prendre des cartes Google Play et pouvoir invoquer sur les Dragonstone. Ça, c'est vraiment très intéressant, les frérots. Je vous invite à aller voir. Tout est dans la description. Allez, yalla. On commence par un Mr. Satan. Carte de Simon. Ok, Ricom. Le but également c'est d'avoir deux SSR par multi. Parce que tu sais qu'il y a un SSR, c'est celui de la fin. Oui! Je l'avais pas! Enfin! Enfin je l'ai! Enfin je ne l'avais pas! Je n'arrivais pas à l'avoir! Oh, j'ai cru que mon compte était destiné! Oh là 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 là! Je ne l'avais pas en gros! Merci la carte de Simon! Bardock Super Saiyan Tech qui a 0,04% de chance de l'avoir. Je suis grave content d'avoir claqué cette multi. Donc ça nous fait deux SSR sûrs et certains parce que le SSR garanti est à la fin. Ce personnage là il est fou. Il inflige des dégâts colossaux, bloque l'attaque spéciale. Il a sa place dans cette team tech. Et en plus ça avec le combo Goku LR. Enfin bref, il est énormissime. Je kiffe, je prends. Lui c'est sûr et certain, je vais le monter Spédis avec les Bardock Agi. Ah lui c'est bon. Allez, carte de Simon. Ok, Docteur Guiraud. Ouais, Trunks. Allez, ah là, je suis trop content là. Y'a con. Trunks. S'il te plaît, Caulifla pour la dernière, s'il te plaît. Ah, ça va. Ça méritait quand même la galipette. On va pas. C'est un nouveau personnage pour la collection. Allez, mini galipette pour elle. Vraiment mini, hein. Je te jure, vraiment mini. Du coup, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir, clairement. Les deux SSR. C'est dans cette multi, deux SSR que je n'avais pas du tout. Je suis grave content. Le Bardock Tech va rentrer dans cette team. Change de sphère de ki puissance à sphère de ki tech. Attaque plus 20%. En soi, c'est vraiment pas dégueulasse. Même pas du tout. Il a sa place. Le Calais. Kale. Grande chance de lancer une attaque aussi également. Ouais, fallait que je lise aussi son passif. Allez, dépêche-toi. Parce que là, ça tourne. On va voir ça. Donc, attaque plus 100%. Lance une attaque supplémentaire et a de grandes chances de lancer une attaque
spécial. Ok, attaque plus 100%, oui, pourquoi pas. Lorsqu'elle aura un Dokkan, elle, ça sera vraiment fou. Donc je prends, c'est la brolette. C'est la brolette, ça fait pas plaisir. Bon, deuxième multi pour Caulifla. On va casser le détecteur du coup. On va casser le détecteur, hop là, une fois. Casser le détecteur, deux fois. Ça fait plaisir la carte de Simon, elle fait grave plaisir les frérots. Allez. Une quatrième fois et peut-être une cinquième fois et ça va le faire. Allez, on s'ambiance de ouf. On s'ambiance. Hop là. Un. Allez, c'est parti. Shenron! Qu'est-ce que ça veut dire? 3 SSR, j'espère. Un Shenron quand il y a SSR garanti. Enfin, un SSR du détecteur garanti. Ça permet 3 persos, non? Je sais pas. Ça fait plus longtemps que j'ai pas vu le SCG3, sincèrement. Shaozu! Ok, super. Ok, Kiwi. On avait dit 2 SSR, s'il vous plaît. T'en es marre de lui. Et c'est un bon personnage. C'est un bon personnage. Si vous le droppez, oui. Mais moi, je l'ai en 20 millions d'exemplaires. C'est bon. Allez, Botamo. Allez, carte de Simon. Allez, Caulifla, là. Ah, c'est mort. C'est triste. Oh là là, pour le dernier, j'ai Burus puissance. Vas-y, allez, c'est bon. J'aurais pas dû casser le détecteur. Bon, l'objectif atteint 2 SSR par multi. Et là, je suis dégoûté, j'ai pas Caulifla, j'avais pleuré. En fait, dans l'ancienne multi, j'ai eu ce qu'il me fallait, Bardock Tech et Calu. Je me suis dit, là, je vais peut-être l'avoir. C'est ma journée et j'ai pas Caulifla. Ça me fait 50 Dragonstone parti dans le vent. Vas-y, tu sais quoi, je vais utiliser mes 5 derniers Dragonstone. La single désespoir pour tenter d'avoir Vegeta SSJ 4. Vas-y, tu sais quoi, j'y crois jusqu'au bout. Une capsule. Pas d'arc-en-ciel. Il se transforme, ça va. Tu vois, au moins on a espoir jusqu'au bout. Super Saiyan 2, espoir jusqu'au bout. Pas de Super Saiyan 3. Ouais, c'est bon. Oh, lui, rien que je vois sa tête, c'est bon. Allez, c'est bon. Même pas de doublon de Broly, il a rien du tout. Bon, bref. En tout cas, en soi, c'est pas dégueulasse. On a eu. Quel est ? Pas dégueulasse. On la testera en vidéo et en live. Et malheureusement, on n'a pas eu Caulifla. Mais je suis totalement dégoûté. Moi du coup, merci en tout cas les frérots d'avoir suivi cette vidéo. Ce portail là, comme je vous ai dit, pourquoi pas si vous avez quand même des Dragonstone. Mais je pense que ça va aller très très vite dans Dokkan Battle. Là je pense que la semaine prochaine, à ce rythme là, on va avoir un autre portail. Mais du coup, je n'invoquerai pas parce que je n'ai pas Dragonstone. J'attendrai le mois prochain, on verra bien ce que ça va donner. Mais du coup, ça va être très très compliqué. Mais je remercie encore Youpass et tous les donateurs. Merci à vous tous qui m'ont permis justement de faire cette vidéo sur les guerrières de l'univers 6. Et du coup, je vous invite à aller voir dans la description le lien Youpass. Et puis c'est gratuit, hein, l'inscription. Donc après tu peux voir les modalités, tu verras ça par toi-même. Mais bon, au moins comme ça, si tu peux avoir des Dragonstone gratuits, on va dire profites-en. Mais en tout cas, merci à vous tous les frérots, je vous fais mes bisous. Et passez tous une bonne journée, ciao ciao l'équipe, ciao.